émission d'information vespérale sur France Télévisions. Madame, messieurs, vous nous avez choisi pour vous informer. Vous le faites bien. Voici l'essentiel à retenir. La tradition a été bel et bien respectée ce 15 septembre 2022 à l'Assemblée nationale et au Sénat. La rentrée parlementaire a été effective, chose vue, chose faite. Dans le respect du délai constitutionnel, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé a déposé ce jeudi à l'Assemblée nationale le projet de budget exercice 2023 chiffré à 14 milliards 600 millions de dollars américains. Et c'est pour la deuxième fois consécutive dès la rentrée parlementaire de la session de septembre. Nous y reviendrons avec force des À la présidence de la République, le début des travaux des infrastructures de 145 territoires n'est plus que question de quelques heures. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le mercredi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une réunion du comité politique de pilotage du projet de développement à la base de 145 territoires. On prépare à cette réunion les ministres sectoriels, le directeur de cabinet adjoint et le représentant des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Souvenez. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase de maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidée ce mercredi soir à la Cité de l'Union africaine. On prit part à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur du cabinet du chef de l'État, les directeurs de cabinet adjoints et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BCECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce que il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en trois en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront concomitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. À propos de ce grand projet de l'ère Tshisekedi, des équipes d'inspection et de prospection des lieux où seront érigées ces infrastructures sont déjà déployées sur l'ensemble du territoire national. Nous allons joindre en direct le professeur Joseph Ngindou Talala qui se trouve actuellement à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, dépêché comme chef d'antenne de la BCECO, à qui je salue. Première question, professeur Joseph Ngindou Talala, dites-nous les raisons de votre présence à Kabinda. Merci bien, Marcelo, pour votre question. Je suis dans la province de la Lomami, présentement au chef-lieu de la province à Kabinda, pour représenter les BCECO, c'est-à-dire ouvrir l'antenne des BCECO comme chef d'antenne de BCECO naturellement, dans le cadre du projet de 145 territoires que vous connaissez très bien, qui est un projet du chef de l'État, du gouvernement national, pour pouvoir développer nos territoires à partir de la base, c'est-à-dire partir des secteurs, avec un ensemble de composantes du projet. Donc, la première composante actuellement serait la construction des bâtiments administratifs des territoires, et les écoles et les centres de santé dans les différents secteurs. Et la province de Lomami compte 5 territoires. Donc, nous avons Luilu, le Bao, Ndandanega, Kabinda et Kamish. Donc, dans chaque territoire, il y a des sites qu'on a ciblés
pour pouvoir construire les écoles et les centres de santé. Il ne suffit pas seulement de les construire, mais il faut aussi les équiper. Donc, il y a des écoles qu'on va réhabiliter et équiper, et des écoles qu'on va construire complètement et les équiper, de la même manière que les centres de santé qu'on va équiper, et construire et équiper. Les bâtiments administratifs pour les administrateurs des territoires, ce sont des grands bâtiments qui vont comprendre le niveau de l'administrateur des territoires, plus le niveau de ses mes adjoints, plus le bureau de chef de la service de renseignement, plus le bureau de la police nationale, et plus le bureau de la DGM, plus une grande salle de réunion et une salle de d'attente, sans oublier le bureau de tous les autres services nécessaires de l'administration du territoire, y compris aussi des installations hygiéniques. Donc voilà pourquoi je suis ici à Kabinda. Ça fait maintenant 3 mois que je suis à Kabinda pour suivre et coordonner les activités liées à ce projet. Pourquoi seulement maintenant? Voilà. Il faut, c'est une très bonne question, puisque les gens s'attendent à ça, mais ils ne savent pas qu'un projet a des différentes étapes qui nécessitent la préparation. Il y a eu d'abord la première étape qui était de chercher les alliances financières par les gouvernements auxquels ils devaient confier les projets. Alors, le gouvernement a trouvé 3 alliances financières, donc BESECO, PNUD et CEF. Après avoir trouvé ces 3 agences, le gouvernement devait passer la main à ces 3 agences. Donc, toutes les études menées avant devaient être confiées à ces 3 agences, dont BESECO, que je représente ici à Kabinda, à Lomami, donc Bureau Central de Coordination. Après cette étape-là, il y a eu une étape. Toutes les agences devaient lancer des appels d'offres pour engager des ingénieurs qui devaient aller sur le terrain identifier les sites. Cette étape a été déjà faite à partir du mois de mai-juin. Après l'étape du mois de mai pour les ingénieurs, il y a eu l'étape maintenant pour nous, les chefs d'antenne, qui devraient représenter les bureaux de BESECO dans les provinces. En passant, je vous signale que BESECO a 9 provinces. Avec plus ou moins 47 ou 48 territoires sur les 145. Les autres territoires sont partagés entre PNUD et notre agence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième étape, c'est celle qui nous concernait pour pouvoir représenter les bureaux et ouvrir les bureaux dans les provinces. Et la quatrième étape, c'était les appels d'offres pour savoir à qui on devait confier les travaux de construction de ce bâtiment. Alors, les appels d'offres ont eu lieu depuis le mois d'août. Et aujourd'hui, là, la première partie d'appel d'offres a été déjà sélectionnée, c'est-à-dire il y a eu déjà des agences locales d'exécution qui ont été déjà sélectionnées. Je vous rappelle que le 3 septembre dernier, le directeur général de BESECO, M. Jean Mabi, a remis le chèque de 91 millions de dollars aux 41 agences locales d'exécution qui doivent aller dans des provinces. Donc, nous sommes déjà dans l'étape d'exécution du projet. Et quand je vous parle des agences locales d'exécution de ce projet, la plupart sont déjà déployées dans des différents territoires et d'autres vont y être d'ici la semaine prochaine et d'ici la fin du mois, puisque vous savez très bien qu'il y a des problèmes de vol par manque de kérosène, il y a une rationalisation des vols, ce qui fait que certains ingénieurs de ces agences-là peinent à Kinshasa, d'autres sont dans d'autres provinces, et ensuite,
cinquième étape ou la deuxième étape de l'appel d'offres pour les entreprises et les petites et moyennes entreprises a été lancée. Elle s'est clôturée le 12 de ce mois ici. Quand je vous parle, au BCECO, on est dans les dépouillements pour sélectionner les entreprises et les petites et moyennes entreprises qui doivent construire les bâtiments administratifs. Tant aux écoles et aux centres de santé, les agences locales d'exécution dont je viens de vous parler tout à l'heure, là, les quarantaines, sont déjà déployées et certaines vont y être la semaine prochaine et avant la fin du mois. Donc, nous sommes en pleine exécution du projet. Je vous dirais que certaines qui sont déjà sur le terrain ont déjà commandé les matériels de construction, entre autres les ferrons, les ciments, ce qui concerne l'identification des sites, ainsi de suite. Voilà. Donc, nous sommes en plein état. Et dans combien de temps, effectivement, commenceront ces travaux sur terrain, professeur? Voilà. Vous-même, vous venez de le dire que le chef de l'État va lancer officiellement. Donc, nous attendons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, lance les travaux, et dès qu'il a lancé, l'ego est lancé, c'est fini, les travaux démarrent. Comme je vous ai dit, il y en a déjà qui sont sur le terrain, qui sont en train d'identifier les sites et qui sont en train de commander les matériaux de construction. Donc, il n'est question. Merci beaucoup, professeur Joseph Ndoukalala. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de la BCECO dans la province de Lomami pour l'exécution du projet de développement à la base de 145 territoires. Autre chose à présent, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a procédé au lancement ce jeudi du colloque international sur les 10 ans de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA en sigle, c'était au Salon Rouge du Fleuve Congo Hôtel. Détail avec Constance Chimane. Ces assises sont organisées sous le parrainage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le barreau de Kinshasa-Gombe en collaboration avec la Commission nationale OADA et divers experts pour réfléchir sur les 10 ans l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA et les bénéfices majeurs qu'en a tiré la République démocratique du Congo dans l'amélioration du climat des affaires. En tant que représentant personnel du chef de l'État, dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ces colloques pour la RDC. Au nom de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à la commémoration des 10 ans d'adhésion de notre pays au traité de l'OADA, commémoration organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe et la Commission nationale OADA. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays en ordre de paix. Je tiens pour cela à saluer le leadership du chef de l'État, à qui je rends ici un vibrant hommage. Du 12 septembre 2010 à 12 septembre 2022, la RDC compte 10 ans depuis son adhésion à ces traités internationaux dont la vocation principale est d'harmoniser et de moderniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les États membres de la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a par ailleurs annoncé que la RDC pourra débuter et des gouvernements de l'OADA. Dirigeons-nous dans la province de l'Ituri contre toute rumeur qui fait état d'une prétendue menace qu'est subie la ville de Bounia. Le gouverneur militaire Johnny Luboyankacham de l'Ituri rassure la population, les services de sécurité de la province sont à la hauteur de leur travail. Il appelle la population à veiller librement à ses occupations. Reportage Junior Selemani.
La population de Bougna et environ doit continuer de faire confiance aux services de défense et de sécurité pour sa protection. Le chef-lieu de l'Ituri n'est pas sous la menace d'une éventuelle attaque de groupes armés, contrairement aux rumeurs distillées par certains tireurs de ficelles. Des dispositions ont toujours été prises par l'armée depuis l'instauration de l'état de siège pour sécuriser et stabiliser la ville. Des patrouilles diurnes et nocturnes sont régulièrement organisées à Bougna pour cette fin. Assurance du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Kachama Johnny, gouverneur et commandant des opérations en Ituri. Nous sommes des militaires, nous sommes formés, nous sommes entraînés et nous avons prêté serment pour nous sacrifier pour la population. Et nous avons expressément dit que cette population a beaucoup souffert. Il n'y aura pas de couvre-feu ici. Les gens doivent se sentir heureux. Ils doivent se sentir libres de faire ce qu'ils veulent, à part au moment où il y avait le Covid. Depuis l'avènement de l'état de siège, plusieurs criminels et voleurs à main armée, des coupeurs de route ainsi que des réseaux mafieux ont été démasqués, fruits de bouclage, des patrouilles mixtes, FRDC, PNC. Par ailleurs, des marches d'endurance physique dont l'objectif final est notamment d'assurer la discipline militaire. L'un des leitmotifs de l'administration militaire en cette période de l'état de siège sont constamment organisés dans les rues de Bougna. Dans ce même chapitre, cette fois-ci dans la province du Nord Kivu, nous devons coûte que coûte récupérer la situation à Bounagana. C'est le message du gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Constant Ndima, au cours d'un échange avec la presse à Goma. Propos recueillis à suivre. Nous allons récupérer notre Bounagana, notre cher Bounagana. Nous allons le récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bounagana, envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un ton ferme, le lieutenant-général Constant Ndima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six coins de la RDC. Nous sommes un militaire, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Constant Ndima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire, on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit « nous voulons rentrer chez nous ». C'est-à-dire, la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis 3 mois, six coins de la RDC est sous occupation des hommes de l'armée de Kigali, sous couverture du M23. Revenons à Kinshasa. Controverse autour du carburant qui serait malpropre à la consommation à Kinshasa. Le produit qui est sur la circulation n'est pas malsain. Déclaration du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudibou, devant la presse, mercredi 14 septembre dernier, au cours d'un point de presse organisé dans son cabinet de travail. Suivez. Chose étonnante, c'est que je suis maintenant, ça va faire une année et demie, ministre des Hydrocarbures, et je pense que ces gens décident des situations, on a eu à régler ça plus d'une fois, et après je parle en Lingala aussi, hein. On a eu à régler ça plus d'une fois, donc ce n'est pas des situations qui sont dramatiques, parce que ceux qui ont fait l'Europe, ils vont voir que quand on parle de l'essence, on parle du 98 et du 95, 98, 95. C'est deux, en fait, c'est deux normes qui ne sont pas les mêmes, mais n'empêche que quand on a le 98 ou le 98 ou le 85, 95, ça peut permettre aux voitures de tourner. Le carburant qu'on a acheté, déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé à Lomé pour le Togo, et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Mais ici, comme nous avons nos normes que nous sommes,
on s'est fixé certains, par rapport à ce que nous-mêmes, au niveau du ministère, au niveau de la République, on a eu à se fixer, on a l'obligation de régénérer pour que nous puissions répondre à nos normes. Mais cela n'empêche pas que le produit qui est là, il n'est pas malsain. Quand le produit arrive, si nous estimons qu'il y a des écarts, il y a un travail qui est fait au niveau des terminaux, soit de saucir ou de cèpe. À travers ce travail-là, on va régénérer le produit pour que le produit puisse répondre aux normes de la République démocratique du Congo. Mais ça ne veut pas dire que si ça ne répond pas aux normes de la République du Congo, ça ne répond pas aux normes du Nigeria ou du Cameroun ou du Togo. Parce que le produit était destiné, si on ne tombe pas au Nigeria, ça allait répondre aux normes. Le produit a été déchargé au Togo, il n'y a pas eu de problème de moteur. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont derrière parce qu'ils veulent déjà faire une certaine propagande d'une crise qui n'existe pas. Parce qu'il y en a qui veulent qu'il faut couper la tête de M. Boudin ou bien il faut couper la tête du gouvernement Samalu Kone. Puisque nous parlons de l'affaire carburant à Kinshasa, accident de circulation dans le Congo central à environ 250 km de la ville de Matadi mercredi dernier, un camion-citerne poids lourd transportant du carburant à destination de Kinshasa pour le ravitaillement a été heurté par un autre véhicule poids lourd qui a fait un mauvais dépassement et a renversé la citerne qui a aussitôt pris feu. La scène s'est passée à quelques mètres du marché de Mouba, presque au même endroit où un autre accident qui avait endeuillé des dizaines de familles s'était produit l'année passée. Curieusement, la population de ce village a préféré voler du carburant. Conséquence, 8 personnes ont perdu la vie, calcinées et 10 blessés graves, dont 8 hommes, un policier et 2 femmes. Ils ont été acheminés à l'hôpital Saint-Luc de Kisangani. Et pour nous quitter, prenons cette page sportive. La Fédération congolaise de football association a tenu son assemblée statutaire cet après-midi à Boboto. Des statuts revus avec des éléments nouveaux instruisent désormais que seul le président sera élu et c'est lui qui nommera le reste des membres du comité. Suivez. Clavière, à côté du collège Boboto dans la commune de la Gombe, a vu ce jeudi 15 septembre 2022 l'organe fêtier du football congolais en assemblée générale ordinaire et statutaire. Dans les avant-midi, les délégués des ligues et des clubs ont, après la vérification de la conformité, approbation de l'ordre du jour, ont adopté à l'unanimité le rapport d'activité 2020-2021 et 2021-2022. Nous avons combiné le rapport de 2021 et le rapport 2022 en même temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière assemblée ordinaire que nous avons tenue, c'était le 4 janvier 2021. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'en a jamais tenu une autre, et l'occasion faisant le larron. Nous en avons profité pour adopter. Nous sommes très heureux de vous annoncer que les rapports bilan de votre comité de la FECOFA a été approuvé dans son intégralité et à l'unanimité. Donc les délégués des ligues ont fait montre de maturité. Il y a eu des observations pertinentes qui ont été soulevées tant sur le procès verbal de l'Assemblée du 4 janvier 2021 que sur le rapport administratif financier et technique et financier. Donc, juste après, les après-midi seront consacrés à la tenue de l'Assemblée générale ordinaire statutaire pour adopter les nouveaux statuts de la FECOFA, le code électoral et la présentation du bilan financier. Ces assises qui augurent une nouvelle ère au sein de la FECOFA connaissent la participation du ministre des Sports, Saint-Chem Bonkondé, et des délégués de la FIFA et de la Confédération africaine de football. Ce journal est complètement terminé. Madame, messieurs, merci de nous avoir choisis et bonne suite de programme sur Face Télévisions.